7h20, il y a déjà du monde en fréquence. Il arrive. La route sur la rocadette de Bordeaux. C'est pas compliqué, c'est une histoire de sens depuis Dormont jusqu'à au moins hier. Je l'attendais justement pour avoir les news. Et la bonne journée. Bye bye. Et 73 à toi, Ludovic. Comment vas-tu? Merci pour les news de la route. 73, 51 à toi. Et bien, ça va, impeccable. Il fait beau, là, c'est top. Ah, j'ai pas été tout seul à répondre. Il y a quelqu'un d'autre qui a répondu aussi. Des 73, 51 à la station. Allez, bonjour, Rémi. 73, Mickey, la station est avec toi. Là, j'ai le milieu sur le pot. Parce qu'il y a beaucoup de monde, mais ça va nous poser un petit peu là. Les amitiés, Rémi, c'est personne 13 de Billy, voilà. Ben, tu repars le micro et puis tu peux passer l'autre station. Je vais juste allumer le poste là. Voilà. Ok, pourtant je t'ai entendu tout à l'heure. À Chitroicou, j'étais trop pris là de mon côté. Et t'avais plein de monde là, enfin plein de monde, t'avais pas mal de monde qui m'arrivait pas là au QR1. Hein. Ils devaient être tous là, du côté 24. Ouais, je suis avec Dolu33 du côté d'Artigue, je pense, de ce côté-là, là sur National 89, là qui vient de nous donner les news de la route. Ah, t'es important là, je fais ce qu'il faut pour que tu m'entendes là, Dolu33. Ok, bon là je viens de te perdre un petit peu, ok, t'as, effectivement tu dois être dans le trou de la poste là, je pense, comme c'est là. Ok, ouais, Billy de 4, tout à l'heure, ouais, je t'ai entendu, hein, mais bon, j'étais pas mal pris là à côté. Et putain, j'ai halluciné, parce que, attends, je la refais. Ah si, j'hallucinais quand je voyais toutes les stations à qui tu répondais, et il n'y a aucun d'entre eux, moi, qui m'arrivait. Hein. Comme quoi, hein, c'est cette foutue colline, là, j'essaie de trouver quelqu'un pour me la dynamiter, mais personne n'est d'accord pour le faire. Ah si. On va ramener le but, Ouais, Dolly, je t'entends, Dolly, même en bas de la porte, je sais pas s'il m'entend, lui. Moi, je te reçois, hein, Dolly, y a pas de soucis, les Super 73, même en bas, je te saurai, y a pas de soucis. Ouais, bien, pas mal de 1000 pattes ce matin, là, j'allais livrer, là, avec Chicastan, l'autre sur mon pont, là, et puis l'autre, cave coopérative de l'Urap. Il y avait un petit peu de trafic ce matin à mon ville, là, voilà. Il y avait un petit peu de monde, là, ce matin, voilà. Eh bien, je sais pas, je remets le micro à Dolly, est-ce qu'il m'entend, je sais pas s'il m'entend, hein. Voilà, moi c'est Billy 24, QTH, Véline, Dordogne, entre Sainte-Foy-la-Grande et Castillon, j'y connais un petit peu. Voilà, micro de retour, Dolly, tu m'entends. Alors Dolly, j'ai pas pu entendre trop. Ça passe un peu de temps, voilà, ça aurait été nickel. Là, QTH, effectivement, là, j'arrive, j'ai passé mon tout temps depuis un moment. Moi, tout sens. Sur direction de Livourne, j'arrive à destination, je vais raccrocher le micro.
Je vous envoie 73-51 tous les deux. Oui, il y en a qui vont bosser. Et puis j'espère à une prochaine en fréquence avec grand plaisir. Ouais, voilà. La bonne journée, bye bye. Oui, avant que tu coupes, Ludovic, tu as le Québec qui repasse à nouveau là sur la France là depuis 2 jours. Donc c'est tout bon. Bonne journée à toi. Ok, super, je vais essayer d'écouter ça. Allez, bye bye. Ouais, je reprends la Dolly, ouais, pas de soucis, Dolly, je te remercie du petit contact et puis la bonne route, le bon pot, voilà. Pour moi, c'est du final entre 5 et 7 qui navigue chez moi et Radio 5, ça fonctionne bien d'un côté. Voilà, merci du petit contact, Dolly, les amitiés, et à très bientôt. Dolly 57 aussi de mon côté, 73, bonne journée, merci pour le tout. Allez, bye-bye. Ouais, mais toi, Billy, c'est normal, hein. Vu l'antenne que t'as, le dégagement que t'as, la hauteur à laquelle est perchée l'antenne, si t'arrives pas à attraper des stations, c'est quand t'auras coupé les fils. Bon, j'arrive à les entendre quand même. Non, mais c'est vrai qu'en plus, ce matin, il n'y a pas de QRM, donc je vais à la pêche assez loin là, ce matin, hein, voilà. Quand il n'y a pas de QRM, c'est vrai que c'est agréable. Voilà. Bon, après, quand il y a des QRM, c'est un peu moins agréable, c'est toujours pareil quand il y a une bonne antenne. Mais bon, ça fonctionne bien. Toi, c'est du 59, ouais. Mais t'es chez le fixe, là ? Oui, voilà, là maintenant je suis qu'avec la puissance du poste uniquement. Hein. Là j'ai rien d'autre là. Donc là ça a dû descendre 57-58, un truc comme ça quoi. Ouais, t'es à 58 là. Ça a descendu un point. 6 dB. Ah ouais, mais ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Nickel. Ouais, c'est ça, j'ai le même report pour toi, 58. Hein. Exactement, ouais, c'est bien ça, ça marche bien. Ouais, en tout cas, ouais, tout à l'heure, là, bon, ouais, j'étais pas mal pris là sur le PC, de ça. J'avais une oreille là sur toi. Et putain, mais j'avais beau tendre l'oreille pour essayer d'entendre les autres stations. Mais rien de rien. Il n'y a rien qui fuitait de mon côté hachi. Ouais, mais c'est les mille pas sur Gardonne, bon c'est pas évident sur Gardonne. Gardonne, en fait, c'était sur Montfort, je crois, et l'autre sur Duras, la coopérative livrée. Mais bon, c'est une finale de 5-4-5, c'est pas évident, en fait, c'est un mobile. Je sais pas si vous avez comme matériel, mais bon, enfin, pour moi, je vais le recevoir bien, il n'y a pas de souci, ouais. Voilà. Bon, le micro, là, c'est bon, il n'arsène pas, je n'ai pas touché, normalement. J'ai remis un petit peu l'écho, très léger, hein, mais bon, tu vois. C'est la deuxième fois que je m'en sers du poste, je n'ai pas trop l'habitude encore. Eh bien, je dirais, ne touche à rien. C'est. T'as d'ailleurs, là, je suis en train de faire une petite vidéo. Tu verras, ne touche à rien. C'est. L'écho est discret. La voix est un peu relevée. C'est un réglage comme ça, mais là, c'est du parfait. Vraiment du parfait. C'est. J'ai pas d'autre mot à dire que ça, quoi. C'est on l'entend juste à peine et encore faut vraiment y prêter attention pour l'entendre. La voix est un petit peu relevée, c'est du nickel. Ah ouais, je suis bleu. Ah, c'est un petit blanc qui a du monde derrière. Voilà, félicitations. Mais voilà, bon, mais là je suis sur une toi, il est à peine à un le micro, le tourneur, et puis l'écho pareil, il est vraiment au minimum, donc ouais, voilà, tranquille. À peine un, le micro. Tranquille, voilà. Non, mais il est vraiment agréable ce poste, là, c'est vrai que je suis content. Ça, mon petit poste rétro, là, ça fonctionne bien. Il est pratique, en plus, quand tu l'allumes, c'est directement sur le lineup. Alors que le RCI, putain, chaque fois, il faut aller remettre les bandes. Enfin, bon, c'est vraiment, il est vraiment pratique. Voilà, puis bon, il a l'air de fonctionner pas mal, et ça fonctionne bien. À chaque fois sur leur site, tu étais obligé de rechercher. Oh, mais tu avais la pile derrière la façade qui était HS, toi, comme c'est là. Merci. Oui, puisque tu me dis qu'à chaque fois, tu étais obligé de rechercher la fréquence. Ah, mais dès que tu l'allumais, là, il se mettait sur le 24 ou un truc comme ça, et puis, ouais, il fallait te caler sa fréquence, oui. Ah ouais, c'est ça, ouais. C'est la pile qui est sur le circuit, là, juste derrière la façade, qui est morte. C'est elle. Je sais que sur le Summer Camp 2000DX, autrement dit le RCI de 1950, j'avais eu la même chose aussi dessus. Hein.
Et ouais, c'est une pile plate, genre pile d'ordinateur, un truc comme ça. Je sais plus la référence. Mais c'est dans ces gabarits-là, quelque chose comme ça, quoi. Et du coup, ben à la place, j'avais soudé un support pile plate, voilà, pour pouvoir continuer à le faire fonctionner, quoi. Et sans perdre à chaque fois le l'affichage, enfin la fréquence. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais tu sais, le poste, là, il est au moins... 15 ans, peut-être, c'est vrai que la pile, elle doit être foutue à son point, je pense. Mais bon, après, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que, bon, voilà. Non, mais je suis revenu à un poste simple, moi, tu sais, j'ai que du petit matériel, moi, tu sais, simple, avec des boutons, tu sais. Je ne suis pas trop électronique, moi, tu sais. Mais bien sûr, et on ne parlera pas du reste. Quand on est sur la CB, hachi. Voilà, moi du moment qu'il y a un bouton ABCDE, voilà, l'alphabet ça me suffit. Ah oui, et puis que ça n'aille pas trop loin dans l'alphabet, parce qu'après on s'y perd. Hein. Voilà, mon petit ami, voilà, après tout. Maintenant je vais aller laver la machine avant de manger, tu vois, ça se réchauffe un petit peu le temps. Hein. Et puis aller remettre le chercheur en route, c'est de fabriquer le bureau là. Et s'il y a les jeunes, le poste ce matin. Ah oui, là, là c'est nickel, hein. C'est putain, mais puis en plus je te dis à peine hein, le micro. Mais il n'en faut pas plus, hein. C'est là, c'est comme dirait l'autre, ne touche plus à rien, hein. Que ce soit niveau réglage de l'écho, que réglage micro. Et réglage l'écho, vu comment il est, même en BLU, il ne dérangera pas. Ouais, c'est un petit lent, c'est une station derrière iFood. Voilà, qu'on ne les bloque pas, c'est quelqu'un. Et puis, non, mais là, c'est impeccable. Mais toi, je ne veux pas toucher l'intérieur du poste, c'est parce que l'ABF, à mon avis, elle est réglée par rapport au micro d'origine et qui marche bien. Alors, je préfère adapter mes micros de base, les diminuer, et puis ça fonctionne aussi bien, tu vois, comme ça. Si je remets le micro d'origine au poste, au moins, je peux faire de vraies comparaisons, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ben, de toute façon, pour l'ABF, tu n'ouvres pas le poste, hein. C'est directement dans le menu fonction. Et qu'est-ce que j'ai dit dernier coup je sais plus ce que j'avais dit, parce que j'avais fait une petite vidéo, justement, là-dessus. Allez, ben, de toute façon, je sais où aller, elle est sur le forum, hein. Donc c'est pas le problème. Non, mais maintenant, tu n'ouvres plus les postes, hein. Tu agis directement à partir du menu, hein. Oui, automatique, voilà. Non, mais je ne veux pas y toucher, comme il est réglé là, et puis j'ai tout réglé les micros maintenant comme il est, alors toi, moi je touche mieux, c'est parce que tu sais, quand tu commences à les toucher, après tu ne retrouves pas tes bases, et après c'est compliqué à régler, voilà. C'est ça. C'est vrai que, bon, ça va. Du moment qu'il marche bien, du moment qu'on m'entende, que c'est clair, c'est le principal, là, je veux pas le vidéo, voilà. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est vrai que j'en vois, mon poste, il a ceci, il a cela. Qu'est-ce que t'as fait avant? Non, rien, j'ai rien touché. Bah, si. T'apprends, à force de tirer les verres du nez, que, bah, si, il a tenté ça comme expérience, et ceci, et cela. Et, ben voilà, c'est comme sur un ordinateur. Quand on commence à s'amuser, à vouloir, à vouloir modifier des fichiers, des ceci, des cela, au niveau de certains programmes et ainsi de suite, pour soi-disant essayer d'améliorer, j'utilise pas les bons mots pour, hein. Et ben après on s'étonne que ça marche plus. Là c'est pareil, hachis trois coups. Ouais, non, c'est vrai que bon, je crois que j'avais un copain qui m'avait amené un poste, il me dit, oh, il marche plus, tout décalé, tout le truc. Oh, je lui dis, allez, amène-le moi, j'ai pas trop le temps, je vais regarder, c'est un 3009, c'était. Bon, il me l'amène, je regarde dedans, je commence à ouvrir le poste. Oh là 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 là, toutes les noix, tu sais, les petites bingo. Qui étaient cassées dedans, mais je dis, ah là, c'est même pas la peine d'y toucher comme tout ça. Il avait bidouillé avec des tournevis, des trucs comme ça, là, il avait tout chiffré, là,
irréglable. Enfin, pour moi, il fallait tout refaire. Quoi. Le poste, là, il est mal. Quoi, hein. Voilà, je dis, non, écoute, moi, je ne touche pas. Là. Et à l'intérieur, tu as touché. Mais il me dit, ouais, je touche avec le tournevis, je suis tourné. Ah ouais, mais je dis, toutes les ferrites sont cassées. Là, et, là, pas bon. Là. Et voilà, le truc typique, c'est tout à fait ça. Tu disais tout à l'heure que ce matin, tu n'avais pas beaucoup de QRM, mais ben, moi, c'est pareil. Hein. Là, ce matin, c'est relativement calme. Un point, c'est tout. Alors, c'est pour ça, là, je pèse les gamins ce matin. Hein. J'entendais des gars, là, sur Périgueux, là. Périgueux, j'entendais un autre gars, je ne sais pas où il était. Je ne sais pas si c'était pas dans le Gers, vers Auch, là-bas, ce matin, j'entendais le Douai, ah ouais. Ah oui? Et je t'entendais aussi, là, le justement, là, de perturbateurs qui se mettent en FM. Ouais, eux, je sais où ils sont. Ils sont sur le département 47. Tous les matins, ils se font plaisir à, je vais dire ça directement, à foutre la merde en FM. C'est pas du tout drôle pour ceux qui sont sur le 19 en BLU, là, qui sont sur la route. Ça fait chier tout le monde. Mais tous les matins, ils se mettent comme ça, là, sur le 19 en FM. C'est... enfin bon. Enfin, comme dirait l'autre. Ah, mais j'ai entendu ce matin, ouais, mais j'ai regardé un FM, ouais, j'étais inclus sur un FM. Vous en croyez, j'ai rien dit, je suis repassé en AM, moi. Il me gênait pas trop, j'entendais les gars du coin, donc... oh, mais j'ai dû les perturber aussi en AM, je pense. Voilà, et encore, pour moi, je suis pas le plus simple, hein, c'est vrai, j'en pas beaucoup de watts. Bon, et puis de toute façon, moi, c'est pas mon rôle de dire quoi que ce soit. Hein. C'est, ils sont assez grands, ils sont majeurs. ils sont sur la CB depuis bien assez longtemps pour savoir que le 19, hein, de toute façon, c'est le canal de la route. Hein, et canal de la route mondiale, en plus. Hein, et donc, de par définition, qu'on aime, quoi. Mais bon. Hachi, il y a pire dans la vie, on va dire. Ouais, bah, affirmatif, ouais, bah, mais ce sont les mobiles, les mi-faces sont prioritaires, voilà, c'est une station de l'AR, on fait QSY, comme je dis, il n'y a aucun souci, de toute façon. Bah, évidemment, voilà. Tiens. Bon, ce matin, tu vois, j'ai des deux routiers, là, qui cherchaient leur trajet, là, un chez Castan en Gardonne, et puis l'autre, je te dis, à la coopérative, là, sur Duras, là, et puis voilà, bon, après, voilà, s'il y a quelqu'un derrière, moi, je fais QSY, il n'y a aucun souci. Là, il n'y a aucun problème, voilà, je suis toujours fait comme ça, depuis. Oui, ça fait 14 ans, tu vois, ça fait presque 40 ans que je fais la radio. Alors, j'ai connu pire, ben non, j'ai connu pire que ça, c'est rien. Là. Ah putain, il y a même du monde sur le dos, ça, hein. Un giga de radio. Il y a du monde partout ce matin. Ouais, j'entendais ça là derrière en QRP. Hachi. Ouais, affirmatif, mais moi c'est pareil, j'ai commencé en 82. Alors, le plus folklorique est derrière. C'était ça. Par contre, je vois, il est 9h, 9h05. Va pas falloir que je me fasse plus long car j'ai du boulot là aujourd'hui. Et en même temps, j'ai le temps, hein, puisque le Québec repasse à nouveau sur sur la France. Avant-hier, putain, on s'est fait plaisir. Hier, c'était assez QRP, mais avant-hier, on s'est vraiment fait plaisir. Mais bon, le Québec, j'y attends pas avant les, on va dire, les 14-15 heures. Oh oui, enfin pour nous en France, quoi. Vu qu'il y a 6 heures de décalage, ouais, j'y attends pas avant ça, quoi. Et en plus, après à 16 heures, j'ai l'XYL là, qui va venir me chercher, parce que bon, elle a un petit souci à son push. Donc là, j'ai encore du boulot de programmation et tout ce qui s'ensuit là à faire là sur le PC, sur les réseaux sociaux. Hein, je prends d'avance, hein, car après je bosse vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc là, ça va faire 4 journées où je vais pas pouvoir faire grand chose. Donc j'anticipe, je me fais du stock avant ça. Pour être tranquille après, quoi, quand je serai au boulot. Donc là, je vais me plonger là-dedans, là, ce matin, pour y aller dardard. Et si j'arrive à tout faire, là, ce matin,
Car tu me connais, quand j'entends quelqu'un à la station, ça me démange, ça me chatouille, ça me gratouille. J'ai résisté tout à l'heure quand je t'ai entendu. Hein. Ah, j'ai eu du mal à résister. À chaque fois, peut-être, je relâchais ce que je faisais. J'avais la main qui se dirigeait vers le micro. Je mettais une tape dessus. Non, pas maintenant. Ah, chi. Bon, on est quoi? On est mardi. Bon, c'est bon, j'ai encore mercredi, jeudi, là où je vais pouvoir moduler plein pot. Ok, donc là je vais te laisser, à plus tard certainement de la journée, sinon à demain, ça par contre c'est sûr. Allez, les 73, car là faut vraiment que je me plonge dans tout ça. Quoi. Ah, ok Rémi, il n'y a pas de soucis, demain je ne sais pas, moi j'arrive, c'est pas des horaires faciles, voilà. Quand je peux, je prends le micro, tu vois, ce matin, là, j'avais une minute. Donc j'ai pris un petit peu le micro, voilà. Bon, bah, écoute, je te remercie Rémi, hein, tu es un vrai parti de la Sibi, et puis tu vois, je suis content qu'il y ait des gens comme toi, parce que c'est vraiment super intéressant, voilà, c'est des gens super intéressants. Voilà, des passionnés de la radio, et puis tu vois, moi c'est pareil, plus ou moins, brosse le temps qui me fait trafiquer, mais tu vois, j'ai pas lâché, j'ai toujours un pied dedans, voilà, je trafique de temps en temps, bon, tu vois, et puis voilà. Voilà Rémi, je t'embête pas plus longtemps, je te remercie du contact, super sympathique bien sûr, les amitiés chez toi, et puis amitié à tous les écouteurs, et puis je vous dis, je reste un petit peu en stand-by deux minutes, là j'ai quelques papiers à faire, et puis il y a encore des routiers qui cherchent Radio Visage, je reste un petit peu à l'écoute, voilà, malgré qu'ils ont leur GPS, maintenant ils sont équipés les gars. Ouais, tu parles de GPS. Quand on regarde certaines vidéos sur YouTube ou les réseaux sociaux, des fois le GPS vaudrait mieux pas l'avoir. Bon allez, je suis reparti. Non, ce coup-ci, je prends plus le micro. Les 73-51, merci à toi aussi d'être en fréquence. Hein. Là, on ne lâche rien. Hachi. Allez, toi aussi, bonne occupation de ton côté. À plus tard, sinon, demain ou après-demain. Bon, si, je suis sûr que demain, je t'entendrai. Allez, à plus. Hachi. Oh, j'allumerai la lumière bleue, là, du 6009. Et voilà. C'est surtout pour ça que je l'allume, quoi. Oui, bah oui, il faut bien avoir un peu de lumière dans la pièce. Hachi. Oh putain, j'ai repris le micro, dommage. Ça marche, Rémi, allez, ça ne m'aide pas. Faites à tes occupations, merci du contact, à très bientôt, avec plaisir. Ok, tout ça retourne avec plaisir aussi. Ça parle d'ailleurs. Tac. Putain, je suis... Allez, la station, 73 de Billy 24, petit à Cheveline, là. Lui, il entend bien par rapport à moi, là où c'est QRP. Hein. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu aussi peu de QRM. Donc, il y a toujours un espoir. Ne rien lâcher. Parce qu'à un moment donné, le QRM baisse. Alors que d'habitude, j'ai un 5 constant. Ce que j'aurai certainement tout à l'heure. Sur moins 5, la propague arrive. Bon, ça nous arrive du côté de l'Italie, visiblement. Puis là, c'est monté d'un coup. Là. Eh bien, les stations, vous êtes où? Ah. Ouais, c'est confirmé. Bon, j'ai rien compris, mais j'ai l'impression qu'ils se disent tous bonjour. Bon, on va pouvoir être à l'affût. Peut-être, quoique là, il y a
J'allais dire peut-être avoir la chance d'entendre le Québec. Mais c'est trop tôt, là, ils sont en train de dormir. C'est qu'il y a 6 heures de décalage avec eux. Donc à moins de tomber sur des noctambules. Et puis il y a autre chose aussi. Si la propale est du côté Italie, pas sûr qu'elle soit du côté Québec. Ah ouais, hier, qu'est-ce que j'ai vu? Pas hier, mais avant-hier. Alors, sur le Québec, ils se mettent là aussi. Non, oui, si, si, c'est ça. 335. Ah non, c'est pas là, je me trompe, 355. Voilà. Canal 35, voilà. 35 en Lima Sierra Bravo. Donc là aussi, il va falloir être à l'affût de ce côté-là. Alors imaginez comme un globe virtuel que l'on tourne pour trouver une activité quelque part. Ouais, c'est tout à fait ce que l'on voit en début de vidéo. Là, c'est pareil. On scrute, on cherche. Ah, si la caméra bouge quand je touche le poste, c'est normal. La caméra est fixée sur les pattes de fixation qu'il y a sur le côté du poste. Ah, ah. J'ai senti quelque chose par là. Et le QRM est monté. Ouais. Bonjour l'Italie du sud-ouest France. Bon, on verra tout à l'heure. On va laisser mijoter un peu. On va laisser l'activité se faire un peu plus, s'installer un peu plus. Roger.
Okay, Patsky, no problem. I understand 100%. Your signal here is 5x5. It's a little bit of QSP on the frequency in this moment, Roger. Okay, my friend, I wish you also many thanks for the little QSO. And have a nice time and good DX, and I hope to meet you on the frequency. 73 here from Germany to Spain. Have a nice day and good DX. Bye bye, my friend. Le département de la Moselle pour le département de la Gironde. Oh, salut la Gironde, oh, celui-là je reconnais, c'est moi, ça me dit quelque chose. Oh là là, il arrive très très fort. 73, cher ami, je te retourne le micro, je ne m'en rappelle plus du prénom, mais ça me dit quelque chose. Surtout le bip là, à toi. Ah ah, donc je vais te laisser chercher un petit peu. Alors, en attendant de donner le prénom ou le QRZ local, je vais te donner l'indicatif. Tu es à les 73 de 14 km 3301. Ah, attention à la Moselle. Ouais, attends, il y a la Réunion qui parle derrière. Oups. Allez, salut Raymond. Allez, bon, la Réunion, Jean-Jacques, on s'en baille. Eh ben, écoute, je sais pas, il parle avec des cadeaux, hein. Il parle avec des cadeaux, mais je n'avais pas entendu quand je suis arrivé sur la fréquence. Ouais, ouais, 33 €, là, ça me dit quelque chose. Ça me... Mais ça y est, bon, purée, je connais tellement de prénoms, là, en bas, je vais pas m'aventurer pour donner... Alors, je vais me donner un fond d'espoir, là. Je vais me donner un fond d'espoir. Ok, tu as les bonnes 73-51 de Rémi. Voilà, Dandy 33 sur le département de la Gironde. Ouais, ok, Christophe, pas de problème, hein, je pense que c'est Christophe.
ça. Maintenant, je ne sais pas si c'est 100% juste, parce qu'on m'a salué. Il y a une sous-modulation là. Que je salue, que je resalue là. Pas de problème, ça passe de tous les sens. Pourtant, c'est la bonne rétropropagation, je pense. Voilà, mon cher, tu me confirmes, c'est la puissance. Ah, soit on est deux sur la fréquence, soit je sais pas, ou alors on a parlé en même temps. Non, c'est Rémi, Roméo, Echo, Mike, Yankee, Rémi, Dandy 33 sur le département de la Gironde. Ok Rémi, ça y est. Non, il y avait Jean-Claude que je t'avais au passage, là, Ah, ça, soit ça passe plus, soit c'est une autre station très très QRP qui passe. Ah, ça, ça fait partie de la magie de la radio aussi. Ça arrive, paf, un contact complètement improvisé. Ça repart. C'est ça la totale improvisation des ondes. On est à l'affût, on a la recherche. Bon ben ça passe plus de mon côté, si tu m'entends, les 213-51 de 14 kilomètres, 33-01 Rémi, voilà sur le département de la Gironde, la propague a visiblement tourné, bon QSO, bon DX. Bon c'est pas grave. Quelque chose. Ouais. Ouais, c'est, alors là, c'était le nord-est de France, la Moselle. Avant-hier, c'était le Québec. Voilà, comme ça, arrivé de la même façon. Hein. Aussi fort. Le lien sur Facebook, je l'ai, le lien. J'espère qu'on aura à nouveau le Québec aujourd'hui. Ça serait pas mal sympa, quoi. Enfin, je vais déplacer la virgule parce que... Voilà. Voilà, il y a des chances que j'ai droit à un petit message sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, alors c'était où déjà alors, canal 35-355 LSB. On va essayer ça. CQ, c'est bon. CQ, CQDX, appel en direction du Québec-Canada, appel de 14 km 3301 qui vous lance l'appel depuis le sud-ouest de France. Eh bien ça, si j'ai pas dit appel, j'ai pas dit du tout. Ah, je sais pas d'où ça arrive. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km 3301 en direction du Québec, Canada. CQ, CQ, CQDX, here is 13 Delta Alpha 01, from Germany near Frankfurt calling. Can you copy, my friend? London. I am sorry, no speak English, I speak French, sorry. Bon, c'est pas grave, on peut pas l'embêter plus. Bon, en tout cas, oui, c'est magique. Oscar Tango 001, Germany, Europe, listening at 2705 and 905.
Là, il est... Alors, 13h45. Voilà. Alors la longue distance comme ça, c'est comme celui qui va à la pêche. Il n'est pas sûr de faire quelque chose. Donc faut être à l'affût. Faut pas attendre depuis un logiciel X ou Y que ça vous dise quand est la propague. Il faut y aller, il faut se mettre devant le poste et chercher. Je fouiner dans les recoins. Là, je vais à la facilité, hein, soit en terminaison 0 comme là, ou terminaison 5. Mais il y en a qui se mettent, par exemple, en terminaison 7 ou 8. Charlie Bravo, this is Tang 3, Oscar Tango 001, Mario Pelletier's up. T'as une radio bien propre. Moi, par contre, j'ai voulu peut-être un peu fort. Un petit peu. Ce côté-là aussi, il y a du monde. Oh, voyons du côté du canal 6. Alors, canal 6, 025. Bon, je suis pas sûr du coup, mais en principe, quand la propague est forte là, du côté des USA, voilà, là, c'est la cour de récréation, là, ici, là, sur le canal 6 américain. C'est l'Amérique dans sa démesure. Quoique le canal 5 supérieur, c'est pareil aussi. Hein. C'est l'Italie dans sa démesure. Voilà. Et faut vraiment être à l'affût. Je vois la caméra qui bouge un peu, mais c'est normal. Elle est fixée sur le poste. Pour ceux qui disent que l'AM est réservé qu'aux QSO locaux, ben la preuve que non. Hein. Il y en a qui ont des idées bien arrêtées sur les différents modes. Ça sert à rien. Il faut
Il faut choisir le mode suivant le moment, suivant comment est la propagation. Voilà la réalité des choses. Là, par exemple, c'est retombé au niveau Bélu. Par contre, en AM, on a vu que là, ça repasse plein pot. Ça me donne une idée. Parce que c'est ça. Je râle un peu là du côté des Anglais. Non. Ça veut pas. Côté des Allemands. Il y a quelque chose là. Là aussi. La FM n'est pas en reste non plus. Hein. Alors pour la petite anecdote, là aussi, au tout début des années 80, avec la toute première homologation, on nous avait mis 22 canaux FM. Et là, tout le monde a boudé la FM. Personne n'en voulait de la FM. On est passé ensuite en 83 au poste multimode, c'est-à-dire FM, AM, USB, LSB. Et là, depuis quelques années, la FM revient énormément à la mode. Désolé. Ça, c'est la propague. Vous voyez, là, il faut vraiment choisir le mode par rapport au moment, comment il la propague. Donc, tous les modes sont très bien, en fin de compte. Là, pour le moment, dans ce mode, c'est retombé. C'est curieux, hein, comme phénomène. C'est ça qui rend la radio, justement, encore plus intéressante, hein, car on ne gère pas du tout le... Ah oui, je peux faire, je m'en soucie, il n'y a pas de problème. Hein. Ah.
Tac, voilà. C'est reparti. Là, c'est reparti, c'est dans une autre direction, bien entendu. Alors, pour ceux que ça intéresse, regardez du côté des aurores boréales, des trucs comme ça, d'activité solaire, tout ce truc-là, tout ça, ça joue un rôle. Avec l'activité solaire, bon, ça pas, c'est pas du direct. Enfin, je me suis mal expliqué. Ce qui se passe au niveau activité solaire, on ne l'a pas à l'instant T sur les ondes. Il peut y avoir une semaine d'écart entre les deux. C'est un souffle solaire. Bah oui, comme son nom l'indique, c'est un souffle qui est envoyé. Donc il faut le temps que ça arrive jusqu'à nous. Donc quand vous voyez une activité solaire assez puissante, ah, il est temps de surveiller les ondes parce que ça va arriver à un moment donné. Et je parlais des aurores boréales. Alors les aurores boréales, eh bien, c'est les mêmes couches, je ne sais pas comment dire, ionosphériques ou je ne sais plus. Je ne sais plus, c'est des lettres X, Y, je ne sais plus comment. Il faut que je refasse une recherche sur Internet. Mais c'est les mêmes couches qui sont concernées que par les ondes HF, quoi. Alors le plus curieux, c'est que quand il y a une forte activité aurore boréale, justement là-haut au pôle Nord, du côté des ondes, eh bien ça donne des distorsions dans les ondes. Alors j'arrive pas à trouver de vidéo là-dessus, mais ça doit être assez folklore. Hein. Mais très dérangeant pour ceux qui travaillent avec, hein, évidemment. Bon, on va attendre un peu et voir ce que ça donne tout à l'heure. Attention, la division 16 pour 14 km 33-01. 14 km 131, correct. Et 73 à vous de 14 km 33-01. Opérateur Rémi sur le sud-ouest France, pas loin de Saint-Émilion. Oui, correct. Ah zut. La propague a dû retomber là de mon côté. Là, je vous entends plus que très très QRP. Eh bien, ça a été du rapide, Hachi. Si vous, de votre côté, vous m'entendez, donc l'indicatif, c'est bien 14 kilomike 33 01, opérateur Rémi.
en QTH à côté de Saint-Émilion sur le sud-ouest France. Ça remonte. Ok QSL, voilà, c'est remonté là de mon côté. Donc les conditions de trafic là sur le QRA, c'est un CRT 7009 avec une antenne Sigma Mantova 8. Et du côté météo, c'est du grand beau soleil qu'on a là ici avec une température de 24 degrés. Ok, QSL 100%, cher ami, pour les conditions trafic et pour la WDX. Ici, les conditions trafic sont indiquées comme 7600. Ok, j'en profite, il est 14h55. J'aurais pas ce QRM que ça passerait beaucoup mieux, quoi. J'ai un QRM de 4, 5, 5, c'est, par moment c'est assez difficile, la propague fait le yo-yo. J'ai pas du tout eu QSL de toutes les conditions de trafic. Bon, c'est pas grave, je vais pas vous embêter plus longtemps, parce que là, la propague fait un petit peu le yo-yo. J'aurai pas ce QRM de 5 là sur le QTH, que là, bon, bah, je vous sortirai avec une bonne radio de 5. Hein. Pourtant, ça veut passer, mais il y a autre chose qui a décidé de passer à la place. Bon, ben, c'est pas grave. Je suis très content d'avoir eu la Belgique là aujourd'hui. Donc, les 73 à vous de Rémi. 14 Kilomike 3301 du sud-ouest France et bon DX de votre côté parce que là je vois bien que je vais passer mon temps à vous faire répéter à cause de ce QRM que j'ai là sur le QTH. Dommage, c'est pas grave, ça passera mieux une prochaine fois. Merci à vous pour ce petit contact, bye. Voilà. Ah zut. Je le sens derrière, mais... Ouais, zut. Bon, ça, c'est chiant. Des fois, il est préférable d'être en mobile. Hein. Au moins... Même si je fais ça, alors on s'enlève pas le QRM. Hein. Quand on parle en DX, il faut pas s'affoler, hein. Faut être posé, prendre son temps, pas trop sinon on va se dormir. Mais il faut que ce soit clair. Ah, il y a un contest qui se fait là. Si j'en ai... Alors, je dois enlever le QRM illimitateur pour le remettre. Bon, ça ne change pas grand-chose. Et si j'enlève le filtre DSP... Et oui, voilà. Ah, là, pour le coup, c'est pire. Oui, j'ai
très bien. Autrefois, il y avait le vieux Kenwood. Le TS, heureusement, j'ai ce filtre quand même. John, I'm looking for all the X. 15h, toujours pas de Québec, de station du Québec qui pointe son nez à l'horizon de mon côté. Je dis de mon côté parce que sur d'autres QTH, hein, ça peut passer. Hein. Parce qu'il y a 6 heures de décalage, donc là, ici, il est 15h. Ouais, si, ils sont réveillés là-bas. Non, c'est que la pompe n'est pas à la minute même de ce côté-là. Quoi. Thank you.
Oui, est à 114 km. Oh, bah zut. Nico Achille, 73-51, toi, de 14 km, 33-01. Hey, hey, bonjour Benji, 73, j'espère que tu te portes bien. Voilà, je suis encore en vadrouille à faire des expériences. Je suis donc avec une antenne un petit peu spéciale, on va dire. Elle n'a rien d'extraordinaire, mais il sort un peu de mes attitudes en tout cas, voilà. J'y reviendrai après là. Donc là je suis dans les. À la palue de Condat, là, derrière Bourne, je suis vraiment pas très loin de, du QRA. Je suis dans les plaines semi-marécageuses hein, à cet endroit, c'est très humide comme zone. C'est un petit peu c'est un petit peu marécageux, ouais voilà. Donc en portable avec le Lincoln, d'origine qui commence à déconner, j'ai un problème de soudure et de son qui saute hein, comme la dernière fois, je ne sais pas si tu te rappelles. Voilà, et oui. Donc l'antenne, ben, si. C'est une antenne, ben, tu l'as vu tourner sur le groupe Facebook La Planète Tipeee Francophone, j'avais fait un petit partage, là c'est une antenne que j'ai taillée et préparée là, pour le 20 mètres, hein, tout simplement 20 et 10 mètres, mais elle résonne un peu sur 11 mètres. Depuis 27500 à peu près jusqu'à ben, du coup jusqu'à 30 mégas. Donc je peux naviguer sur 11 mètres sur la partie haute. Hein. C'est pas ma préférée malheureusement, mais bon, que veux-tu. Donc je voulais faire l'essai. J'ai copié quelques stations locales, là Jean-Paul Mario. J'ai entendu dans le lointain Bernard, qui est plus loin du côté de Marmande, mais ça se donc 57. Quand même. Voilà, voilà. Donc c'est une antenne qui est plus grande que ce qu'il faudrait pour le 11 mètres, mais ça fonctionne. Et du coup, elle a un petit peu de gain, vu qu'il y a plusieurs lobes de rayonnement, de plusieurs alternances sur un seul et même fil, quoi. Là, on est presque sur une 7/8e d'onde, en fait, hein, tout simplement. C'est plus simple à dire comme ça. Là, j'y en slopeur. En slopeur, j'ai balancé un fil dans l'arbre, là, avec un tour de vis en guise de poids. Et puis je me suis tiré le petit fil, bizarre cette phrase, hein, décidément. Et donc l'antenne est en slopeur, là, voilà. Et moi je suis stationné en dessous du slopeur, parce que j'ai plus beaucoup de coax pour me garer plus loin. Merci, retour à toi, Dandy. Ok, d'accord, et bien c'est du 57 hein, de mon côté quand même. Hein. C'est, bon, tu sais où je suis, ouais, c'est du 57. Hein. Et bien, ça marche bien. Putain, oui, quand même. Ton installation me fait penser à un truc que j'ai déjà vu là sur internet. C'est. Je sais plus où j'ai vu ça. Je sais plus si c'est sur les réseaux sociaux ou ailleurs, je me souviens plus. C'est un long fil, justement, attaché par exemple à un ballon gonflé à l'hélium. C'est un truc qui serait pas mal de tester. C'est ouais, un gros ballon gonflé à l'hélium, tac, un long fil d'attaché après, et bien accordé et tout, hein, bien entendu. Ouais, là, il y a du test dans l'air à faire aussi de ce côté-là. Ah, ouais, d'accord, je vois très bien là, ce que tu as fait. Hein. Ouais, effectivement, hein. Putain, bravo, parce que ça marche bien. Hein. Moi de mon côté je te reçois 56-57 par moment, il y a des petites pointes à 57. Allez on va dire un vrai 56 en tout cas, peut-être allez 56,5, je suis généreux ce soir. Et oui alors pour l'hélium, tu vois c'est marrant, j'en parlais avec des connaissances là il y a un ou deux ans, je ne sais plus. Effectivement, je parlais de cette antenne que j'utilise à l'instant et on m'a dit mais pourquoi tu n'essayes pas de te trouver un peu d'hélium et un ballon, les mêmes ballons en latex qui sont utilisés pour les sondes météo, c'est des ballons qui se gonflent assez gros, hein. Tu peux mettre des grosses quantités en mètres cubes de gaz dedans et effectivement j'ai dit bah oui c'est pas bête, ça pourrait être intéressant à faire. Bon pour l'instant j'attends un peu. Parce que bon, le prix de l'hélium, c'est quand même pas donné. Et puis bon, si c'est pour faire une seule fois un essai,
autant que je m'organise à faire ça un jour où il y a de la propague et puis faire une journée du matin au soir. Voilà, quitte à installer ce genre de choses. Mais l'idée est excellente. Hein. Effectivement, c'est quelque chose que j'ai mis dans mon petit carnet de projet là. Et ce serait très amusant. Et puis, quitte à faire un truc comme ça, autant faire une vidéo parce que c'est pas. On ne croise pas ça tous les jours quoi. Bon, par contre, niveau discrétion, évidemment, on a fait mieux. Mais ce serait amusant, je trouve, retour. Ok, bon, je fais aussi, je suis en train de faire là, justement là, une vidéo. Bon, elle sera un petit peu longue, hein, la vidéo, parce que je l'ai commencé ce matin, hein, déjà, avec une partie avec les stations en AM. Il y a du monde que j'ai poursuivi après sur la BLU. Et cette vidéo que je fais, là, que j'ai démarré ce matin, elle est plus dans le but pour expliquer aux nouveaux. Bon, du côté de l'AM, on est plus conciliant, plus coulant, c'est plus à la bonne franquette. Donc les petites erreurs d'utilisation sont pardonnées systématiquement. Hachi, en BLU, il est nettement préférable de commencer par faire de l'écoute avant de commencer à prendre le micro. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que je montre sur cette vidéo. Et ce morceau là que je viens de démarrer, il viendra s'ajouter là, bon, à la fin quoi. Mais là, ce coup-ci, il va falloir que je le finalise à six trois coups, car en même temps, j'attendais le Québec. Mais bon, je crois que ce sera pas pour aujourd'hui. Hier, ils sont passés très très QRP. Avant-hier, ils sont passés plein pot. Peut-être demain, on sait jamais. Pour l'hélium, je saute du coq à l'âne, Hachi. Ouais, je pensais plus à cette idée-là en premier, parce que sinon tu as une autre idée, mais qui est pas simple à mettre en place, c'est avec un cerf-volant. Parce que tu peux très bien le faire avec un cerf-volant aussi, mais le cerf-volant, du moment que tu arrêtes à lui tirer sur la couenne, mais qu'est-ce qu'il fait? Ben, il retombe. Et forcément, forcer, ça va pas le faire. Le cerf-volant, c'est une solution effectivement, mais du coup il faut vraiment un vent qui soit continu, stable, faut qu'il n'y en ait ni trop ni trop peu, et que ça soit pas des petits coups de vent, enfin voilà, faut que ça soit en continu, donc plutôt en bordure de côte, voilà, c'est un peu plus contraignant, et le ballon je pense que finalement c'est la meilleure idée, outre ces histoires de tarifs, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs très très intéressants, hein, parce que je sais pas, disons que tu te prends 40 mètres d'un coax avec pas trop de pertes, là, quelque chose de correct quand même, peut-être pas du 11 mm parce que c'est trop gros, mais maintenant il y a des tailles en dessous sans trop de pertes, tu balances alors 40 mètres, hein, tu te mets juste en dessous, tu montes le ballon, allez, à 50 mètres, 50, 55, et là on est un peu en dehors des clous au niveau réglementation, mais je sais même pas si on peut considérer ça comme un bas, pas vraiment du coup. Donc peut-être qu'on peut passer à côté là, les joies de la législation en France, Hachi. Bref, c'est du portable, c'est exceptionnel de toute façon, mais voilà. L'intérêt, ce serait d'avoir l'expérimentation. Un pseudo-mât c'est plus la même chose. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser à faire quelque chose de sympa là. Il suffit que tu trouves le bon terrain et voilà, ça pourrait être super amusant. Alors pour le coup, là par contre, il faudrait qu'il n'y ait pas de vent. Vraiment à peine, hein, parce que sinon l'antenne va gigoter dans tous les sens. Au lieu d'être à la verticale, elle va être en slopeur comme elle est, comme je l'utilise là maintenant. Et bon, mais ça pourrait être super amusant. Je pense sincèrement que je le ferai un jour. Et c'est quelque chose, faudrait que j'amène un ou deux copains qui savent faire ça. Là. Et c'est un truc qu'il faut faire sur une journée complète parce que c'est comme quand tu installes un mât en portable, mais un vrai mât, quoi. Ça prend un peu de temps. Tu fais pas ça pour une demi-heure ou une petite heure de radio comme je le fais souvent. Moi, c'est vrai que je fais rarement plus de 2 heures de radio en suivant. Quoi. Je suis pas de ces personnes là qui sont des grands débiteurs, des grands bavards. Je garde mon plaisir comme ça, voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire?
Ah ben je sais plus, mais bon voilà, je pense que tu commences à me connaître, hein. C'est pas nouveau ça, j'oublie toujours la moitié de ce que je veux dire. Et comme d'habitude, j'ai toujours pas de carnet sous la main, alors que j'avais dit la dernière fois, il faut que je me prenne un carnet pour prendre des notes pendant que je bavarde. On change pas une équipe qui gagne, hein. Retour Rémi. Hey, tu vas pas me faire concurrence quand même à ce niveau-là. Ah, chie trois coups. Habituellement, c'est moi qui est toujours en train de chercher ce que je veux dire. Ah, chie. Ouais, non, mais c'est vrai que l'idée du cerf-volant, c'est pas la meilleure idée qu'il peut y avoir. Par contre, tiens, toujours dans ce sens-là, il y a une autre idée aussi qui est pas mal, qui est certainement plus facile à mettre en œuvre. Si tu connais un endroit où il y a par exemple un viaduc, quelque chose comme ça, tu jettes ton long fil depuis le haut, attaché discrètement, tu descends en dessous, le long de la rivière par exemple, tac, et là, là tu as un cadre idéal, et puis bon, bah, l'antenne est bien droite. Hein. Ah ouais, là ce serait un truc intéressant à faire aussi. Ah, il y a tellement de choses, hein, ça me donne des idées, c'est dommage que j'ai pas eu ces idées et qu'on me les ait pas données au printemps ou pendant l'été là. Ça y est, tu vois, maintenant je commence à faire des sorties alors qu'on arrive à l'automne. Mais toujours avec un temps de décalage moi, mais bon, c'est pas grave. Je me souviens l'année dernière, je faisais mes expéditions portables en plein hiver, hein. Enfin bon, j'étais assis sur le capot de la voiture dehors. Par pour le 2, mais bon, quand on aime, hein, voilà. Bref, voilà, il y a tout un tas de choses à faire. On peut toujours s'amuser sur 11 mètres, tu vois. Je pense pas qu'il y a moyen que ça devienne monotone. Si ça devient monotone, je pense que c'est parce qu'on en fait un petit peu le choix quelque part. On peut toujours s'amuser, expérimenter, même si ça marche pas, c'est pas grave. Ça occupe le temps et puis l'esprit aussi. C'est toujours sympa et puis c'est formateur. Voilà, souvent je fais des trucs qui marchent pas du premier coup, et puis du coup, ben, le fait de chercher pourquoi, ben, ça t'apprend des trucs, et puis c'est amusant. Voilà, tout simplement. Et puis, et voilà. Alors oui, tu parlais du Québec. Oui, ben, tu m'as entendu peut-être, alors, pas hier, avant-hier, j'ai réussi à faire le Québec, mais ouais, c'était pas évident, hein, ah oui. Malgré que j'ai amélioré l'installation QRA. J'ai bataillé, hein. J'ai attendu 3 quarts d'heure avant de pouvoir en attraper, j'en ai eu 2, voilà, 3 quarts d'heure, et je suis passé seulement quand la propagation a commencé légèrement à chuter. Systématiquement, quand j'arrive à faire des grandes distances, c'est à ce moment-là, c'est quand ça commence un peu à défaillir là, au niveau de la propagation, et que du coup, toutes les installations qui passaient très très fort commencent à passer plus petit, alors les gars forcément finissent par m'entendre. Voilà, mais j'ai pu avoir Gazou 580, je crois, pas loin de Trois-Rivières, très sympathique personnage. D'ailleurs, j'ai mis le fil là en slopeur penché en direction de plein est. Plein est, mais d'ailleurs je me suis con parce que c'est à l'ouest le Québec. Ah, je sais pas ce que j'avais dans la tête quand je l'ai installé là. Nord-ouest. Bon, c'est pas grave. Enfin... À la base, je voulais faire des tests et aussi avoir l'espoir de pouvoir entendre le Québec. Sauf que du coup, je suis un peu couillon puisque je l'ai mis à plein est alors que c'est plein ouest qu'il aurait fallu. Bon, bah, c'est pas grave. Nicolas. Aïe, retour. Ah, pour le coup, tu as fait faire le tour de la Terre. Ah, si, ouais, enfin, nord-ouest. Ouais, j'ai pas de carte devant les yeux, mais je crois que c'est nord-ouest. Ouais, enfin bon, bref, ça aurait été plus sûr de ce côté-là, en tout cas. Ah, bah si, vu qu'on est en plein sur le sud-ouest, vu la diagonale que ça fait, oui, c'est ça, nord-ouest. Non, je t'ai pas du tout entendu, mais l'indicatif me parle. Et puis, le groupe, les Gazou, ils sont connus, hein, putain. D'ailleurs, faut que je regarde si c'est pas lui que j'ai eu, justement, là, avant-hier, où j'en ai eu deux, Gazou. Enfin, deux, j'en ai eu. Il y en a un avec qui, oui, j'ai pu faire un QSO, et puis en plus d'une mauvaise manip au niveau du poste, quel con, quand on a le micro, là, quand on est en fréquence, quand on est en QSO, il vaut mieux éviter de toucher les boutons du poste. Du coup, je me suis retrouvé sur une autre fréquence, alors le temps de revenir, c'était trop tard. Hachis trois coups.
Et après, oui, j'ai entendu un autre gazou-gazou. Bon, j'ai lancé des appels, bon, je suis pas passé. Non, mais c'est normal que ça a été difficile à les attraper. Et ça fait bien combien 6-8 ans, 6 ans peut-être, qu'on les avait perdus. Et donc là, ils sont assaillis. Hein. Là, tous les OM en fixe, là, ont tourné les directives vers eux. Hein. Alors forcément, c'est quand on est sur vertical, ça devient plus compliqué, quoi. Ouais, affirmatin. Oui, mais je t'ai entendu quand tu as réussi à faire QSO avec le Québécois. À ce moment-là, moi, j'avais pas encore réussi, tu vois. J'ai passé 15 ou 20 minutes après que tu aies réussi à faire ton passage. Ah si, ça me parle. Et, j'ai écouté effectivement à un moment donné, ça, en t'entendant, mais plus. Je sais pas, il n'y a pas grand chose, hein. Mais c'est vrai que bon, t'es en portable, donc déjà c'est plus compliqué, quoi. C'est en portable, oui. Pour ce que tu es en train de faire, tu parlais de réglementation. Là, je suis soc du coq à l'âne, mais là, tu es dans le domaine de l'expérimentation. C'est déjà une autre catégorie, c'est déjà autre chose. Hachis trois coups. D'un côté, c'est le côté confort, et de l'autre côté, c'est le côté aventure.
Et la radio, de toute façon, oui, t'as bien raison. En plus, c'est plus ce côté aventure qui est recherché dans la radio. Justement, c'est plus excitant. C'est plus excitant pour le coup. C'est vraiment la radio dans toute sa splendeur. Là, de la façon dont tu le fais, c'est clair. Hein. Vraiment tout à fait particulier là, donc j'adore, et puis c'est pas grave si je passe chez les autres avec des petits signaux, donc on m'entend bien, c'est le principal. Bon, ben je sais pas, est-ce qu'il y a un peu de propag, est-ce qu'il y a une ouverture à l'est du coup, parce que là j'ai raté mon coup pour l'ouest, je sais même pas s'il y a eu de la propag aujourd'hui, j'ai pas trop surveillé. Pour revenir encore une fois sur le Québec, c'était une première pour moi, le Québec. Je sais que toi, tu avais déjà eu plusieurs occasions, comme beaucoup. Voilà, moi, je suis à la radio depuis un an maintenant, à peine. Donc forcément, j'ai pas eu une expérience extraordinaire. J'ai pas pu copier des stations à des endroits un peu improbables. Donc pour moi, c'était vraiment une première. Et en plus de ça, le Québec, qui est un endroit que j'affectionne particulièrement, c'était un de mes objectifs principaux, là, en DX. Alors, tu m'aurais vu, sincèrement, tu m'aurais vu, ça t'aurait fait rigoler, je pense. J'étais rouge comme une pivoine, comme une tomate, pardon, et je sentais mon cœur battre dans mon cou tellement j'étais en stress, le stress positif, bien sûr, de faire ce contact, quoi. J'étais dans tous mes états à chier. Ah, c'est excellent ça. Oui, c'est vrai, là, ça m'est revenu en fin de compte. Si je t'ai entendu appeler avant-hier, mais c'est tout quoi. Après, j'ai pas suivi parce que je me suis mélangé les crayons de mon côté. Il a fallu que, comme j'ai dit tout à l'heure, que je touche un bouton qu'il fallait pas. Et je me suis retrouvé complètement ailleurs au niveau fréquence. Ah, chi. Non, mais c'est vrai que... Alors, sur le précédent cycle de Propag, alors, ce qui se passait, c'est là, quand on était au plus haut, là, à commencer à redescendre un peu, c'est que je partais au boulot comme ça le soir, pour embaucher à 18h. Je les avais en fréquence tout le long de la route. Hein. Et le matin, en débauchant à 6h, eh bien, je les retrouvais à nouveau. Ben oui, il y a 6 heures de décalage, donc forcément, et la propag tenait, hein. Ça, il n'y a pas de problème, hein. ça tenait, hein. C'est à ce point-là, quoi, quand, justement sur le précédent cycle de propag, là, de la façon dont ça passait, hein. Donc là, c'est bien parti pour faire pareil, hein. Là, on est toujours là sur les premières marches, là, on est déjà un peu plus haut. Alors moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille sur le fait que là, le Québec n'allait pas tarder, c'est dernièrement, là, ces jours derniers, je commençais à entendre les Américains sur le canal 6 en AM. Alors je me suis dit, oh là, si les Américains commencent à passer sur le canal 6 en AM, le canal 6, c'est le canal, c'est la cour maternelle. Hein. Pour eux, c'est comme ça, comment dire, c'est le côté américain dans toute son exagération et tout ce qui s'ensuit, j'arrive pas à trouver le mot que je voulais, enfin bon bref, et quand j'ai vu que je commençais à entendre des Américains là, sur le 6, où je me suis dit là, il va falloir commencer à tendre l'oreille, à scruter les ondes, parce que le Québec doit pas être loin, et ça a pas raté, quelques jours après, paf. La propag a tourné un peu plus haut et là c'est bon, ils sont passés plein pot quoi. Ah d'accord, ben, tu vois j'ai raté ça là. Je savais pas pour le canal Mince le 6, je crois en AM. On m'en a parlé, on m'a dit qu'effectivement c'était un festival, je crois que quelqu'un a entendu un texan, que c'était un bordel, les gars se surmodulent. C'est un peu la fiesta, la chie. J'ai raté ça, et du coup, effectivement, c'était annonceur de l'arrivée possible du Québec. Et ben ouais, pas manqué, effectivement. Ouais. Perso, j'étais
pas du tout préparé à ça. Enfin, j'avais démarré ce soir-là le TX un peu par hasard, là. Puis je surveillais, puis d'un coup, j'entends quelqu'un qui parle, bon, français, mais avec un accent. Et j'entendais petit. J'avais des doutes, voilà. Et puis d'un coup, je reçois, il y a trois copains, ils sont sympas, les copains, ils m'envoient des messages quand ils entendent des stations étrangères. Ça, c'est, c'est mieux qu'un web SDR assis. Et ils me disent... attention, le Québec, fréquence ceci, cela, machin. Alors là, j'ai sauté dessus, j'ai vérifié, et c'est bien ce que j'entendais. Et alors là, j'ai commencé à me mettre dans tous mes états. Et après soulagement, quand j'ai pu faire le contact, je tenais vraiment à le valider. Et puis, j'ai cru que j'y arriverais pas parce que je suis passé tout à la fin. Et en plus, du coup, ça n'a pas duré très très longtemps. Hein. Mais c'est fait, voilà, c'est fait. Et puis si ça peut se reproduire, bon, bah, c'est tant mieux. Je savais pas, par contre, que Gazou Gazou était un genre de groupe, en fait. C'est bien parce que là, j'en apprends un peu plus, tu sais mieux. Donc, en fait, il y a plusieurs Gazou Gazou. C'est pour ça que ce monsieur Steve-là était Gazou 580. Je comprends mieux maintenant, d'accord. Parce qu'à un moment donné, je comprenais pas. J'étais un peu en buzz, j'entendais un Gazou sur 600, et puis un autre sur 640, je sais plus. Ou 650, et j'ai dit, mais je suis gaga ou j'entends double ou j'ai un problème de réception, je sais pas. Donc maintenant je comprends, mais ok. Ben, si tu écoutes là dans ma dernière vidéo là avec le Québec, tu verras que tu vas entendre deux indicatifs gazou gazou différents, quoi. Alors déjà, gazou gazou, déjà ça te montre un peu comment ils sont. C'est vraiment pratiquer la radio de façon décontractée. Les échanges de QSL, c'est pas leur truc. C'est s'ils le font, tu auras de la chance, mais c'est pas leur truc. Eux, c'est plus eh ben, comme si on était sur les 40 canaux, hein. C'est la bonne franquette, hein. Voilà, le Québec, c'est ça, quoi. C'est tout simplement génial, quoi. Hachi. Donc ouais, si tu écoutes la précédente vidéo, là où je parle justement du Québec, là, voilà, comme j'ai un instant, tu en entendras plusieurs. Dans une autre vidéo aussi, j'en ai fait une justement avec où il est question du canal 6. Voilà, et c'est dans l'exagération totale et tout. Alors le petit truc, moi que je trouve bien quand même, c'est que en France, quand des gens veulent s'amuser, veulent s'éclater, ils font ça sur les fréquences d'appel, que ça soit sur le 19, à faire des porteuses, tout ce qui s'ensuit, ou la même chose sur le 555, voire même 455. Bon, c'est pas cool pour les autres. Eux, ils se sont choisis depuis très longtemps déjà, puisqu'il y a même des sites internet dédiés au canal 6, et ils se sont choisis justement un canal pour ça, pour s'amuser. C'est la cour de récréation dessus. Tout comme les Italiens avec le 5 supérieur. Ils sont sur leur canal habituel. Voilà, ils sont pas ailleurs, ils sont là, ils font chier personne. Ils sont sur leur canal habituel. Bon, c'est à savoir, parce que c'est vrai que si tu fais un QSY dessus, dommage. Hachi. Et pour en revenir au canal 6 américain, tu as même des boutiques radio, des boutiques de CB qui viennent dessus. Puisque noyé au milieu de cette foire d'empoigne, que ça soit de la grande provocation, insulte bon enfant en plus, hein, puisque tout le monde prend ça à la rigolade, hein, insulte et tout, et même, tiens, même dessus, tu as aussi ceux avec, tu as dû voir des photos là sur internet, des gros pick-up, des gros 4x4, avec une rangée d'alternateurs sur le capot, et balancer des puissances par centaines de kilowatts, quoi. T'as dû voir des trucs comme ça, et bien ils sont aussi dessus, quoi. C'est chie trois coups. Donc tout ça, oui, se passe dessus, quoi. Oui, ouais, j'ai pas eu l'occasion de voir ça. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube. On m'a parlé de ces rassemblements là où il y avait des véhicules qui venaient, donc des mobiles arrêtés, quoi, avec des installations, des petites antennes couplées ou simplement des petites antennes, hein, finalement, bon, des antennes de mobiles qui sont jamais très très grandes, et des gars qui balancent des
centaines, voire des kilos watts là-dessus, avec des rangées d'alternateurs ou des installations de fou, quoi. On est des petits joueurs à côté, hein, ouais. Alors oui, non, c'est vrai que souvent, quand il y a le bazar, on l'entend sur triple 5, c'est un peu con. Mais c'est pas les mêmes mentalités, c'est pas du tout pareil, ouais, effectivement. Et après, il y a la même fracture qu'en France. En France, tu as, par exemple, tu as deux types de radios amateurs. Tu as les radios amateurs anciens civils qui continuent de venir sur la civile de temps en temps, parce qu'il n'y a pas de problème. Et puis tu as les autres, voilà, qui font pas en parler, non, voilà. Et ces gens, ces radioamateurs, tu as les mêmes catégories aux États-Unis, mais les radioamateurs à qui il ne faut pas du tout parler du 11 mètres en Amérique sont 10 fois plus virulents vis-à-vis des civistes qu'en France. J'ai été choqué de la réaction d'un radioamateur américain sur une publication que j'avais faite. Je présentais simplement sur un groupe américain qui n'était pas que pour les radioamateurs, mon décamétrique avec une antenne. Et alors là, j'ai pris un festival de remontrance. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, je ne suis pas dans les clous. Voilà. Ça a duré deux jours, le truc. J'ai quitté le groupe parce que c'était pas possible. Mais on a vraiment des fractures comme ça de mentalité. Et puis à côté de ça, tu avais des gens très très sympathiques, très chaleureux, bonne ambiance. Ah ouais, ben là, tu vois, je suis assez surpris, quoi. Je l'ai pensé plus coulant, puisque quand tu regardes aux États-Unis, là, au niveau de la licence radio amateur, ben, tu as beaucoup plus de jeunes qui passent la licence là-bas que chez nous en France. Donc, tu vois, là, je suis, là, tu m'apprends quelque chose, là, je suis étonné. Non, au contraire, je l'ai pensé plus à tendre la main pour amener davantage de monde à eux, quoi. Oui, il y en a beaucoup qui sont comme ça, très ouverts, hein. Voilà, là, je parlais de deux types, de deux classes, disons, de radioamateurs. Mais voilà, ces gens qui sont très virulents, ils sont pas majoritaires, hein. Ils sont minoritaires, mais disons que quand ils se manifestent, t'as l'impression qu'ils sont nombreux dans une personne, quoi. C'est très brutal, hein, j'ai envie de dire. Là, le gars m'avait un peu dégoûté, d'ailleurs, je sais, enfin bon, bref, c'est hors sujet, mais voilà. Et puis, par contre, les groupes de civistes, donc québécois ou américains d'une manière générale, c'est très très bonne ambiance, hein. Ils se prennent pas trop au sérieux, en fait, j'ai l'impression. Et puis ça marche très bien comme ça. C'est vrai qu'il y a des groupes, moi le premier d'ailleurs, ça m'arrive, hein, je suis un peu, malgré moi, ça m'arrive d'être comme ça. C'est vrai que par moment, à se prendre un peu trop au sérieux sans le vouloir, hein, à faire des publications, machin, des trucs un peu techniques. C'est vrai que par moment, beaucoup de personnes, moi ça m'arrive aussi, je vais pas mentir, on oublie de rester un peu plus léger, quoi, faire des trucs un peu plus légers. Mais là-bas c'est très très bonne ambiance. Et puis voilà, on m'a parlé de ces insultes un peu bon enfant, gentil, quoi, diffusent un peu dans tous les sens. Ça fait partie du dialecte, du langage. Et c'est assez amusant. Alors, il y a des gars aussi qui parlent avec le code, tu sais, 10-4, tout ça là. Mmh. Je le connais pas d'ailleurs, celui-là, ce code. Moi je connais le code classique, hein, mais les 10-4, enfin je dis des chiffres au pif comme ça, mais c'est souvent une série de chiffres comme ça avec un tiré. Ils l'utilisent pas mal, là. Les Québécois, ils aiment bien ça. Il y a un groupe qui s'appelle Groupe Civi Amical. Ils sont d'arrêt, ils font des 10 quelque chose. Alors du coup je comprends pas, mais c'est pareil, voilà, tu vois, il y a des différences comme ça. Ok, eh bien justement, ça, tu l'as sur le forum, la planète Sibi francophone, ça doit être dans la rubrique la Sibi en général. J'ai mis ça avec le code Q, avec tout ça.
Donc, il est listé dedans, hein, donc tu pourras le retrouver sans problème. Pour le groupe que tu as cité, oui, je le connais, je suis aussi dedans, quoi. D'accord, ok. Ouais, mais voilà, souvent, ils sortent ça. Ben, je jetterai un œil, du coup, là, sur le forum, pour m'instruire un peu, parce que quand j'ai vu ça, enfin, je connaissais mes deux, voilà. Et sans l'avoir appris, et du coup, sans trop connaître la signification de la chose. Bref, ouais, le groupe il est super sympa. Alors après, il publie plus souvent des photos d'installations et tout. Il y a moins de publications sur la technique, tu vois. Mais l'ambiance est là. L'ambiance est là, ça, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, oui, c'est là, il me semble, que j'ai vu une info. Le 29, alors au Québec, donc en France, on sera le 30 à ce moment-là. Mais le 29 au Québec à 20h, donc en France, la nuit du 29 au 30 à 2h du matin, il va y avoir un rassemblement, là, un petit événement québécois. Donc ça, c'est à surveiller. La nuit du 29 au 30 à 2h du matin, il faut surveiller un peu là sur les ondes. Fréquence 205, Canal 20, je crois que c'est la 205, hein, en USB. Et il y aura une soirée, donc ça risque de durer. C'est au tous les vendredis soir. Donc si par chance il y a de la propague, ça pourrait être intéressant. Alors, ils se regroupent tous les vendredis soirs, en général, sur le canal 20 en Lima Sierra Bravo. Voilà, c'est leur fréquence moniteur, on va dire. Et ouais, ouais, tous les vendredis soirs, ils sont là. Alors, quand on voit en France, pour les QSO locaux, les stations restent en sup, et du coup, bon, ça peut perturber un petit peu le DX, hein, malgré tout. Eux, les QSO locaux en BLU, ils les font du côté des 40 canaux. Alors tu as le canal 20, tu as le canal 35, je crois qu'il y a du monde encore sur le 16 aussi au Québec. Je sais plus. Enfin, ils sont pas mal au niveau local comme ça, davantage du côté des 40 canaux, même s'ils se mettent en BLU. J'ai remarqué ça. Alors je ne savais pas que c'était régulier le QSO là, sur le canal 20. Bon, ben c'est super. En tout cas, j'ai eu validation qu'il allait bien avoir quelque chose où il y aurait plus de monde, en tout cas la nuit du 29 au 30. Donc ça, je vais surveiller. Mais je ne savais pas que c'était régulier tous les vendredis soirs. Bon, du coup, à pister ce canal là le vendredi soir, vu que la propagande commence à se manifester un peu plus régulièrement. Ah oui. Ça pourrait être sympa. Et alors ils avaient tous, c'était pas des indicatifs, hein, ils ont des pseudos, enfin des, je sais pas comment on pourrait dire, ouais, un QRZ local quoi, c'était la motte, qu'est-ce qu'il y avait, alors j'ai plus les exemples sous les yeux, mais c'était drôle. Il y avait des noms, des pseudos à dormir debout. C'était assez amusant. Donc j'imagine que l'ambiance sur le canal 20 doit être assez sympathique. Ah oui, voilà ce que je voulais dire. Eh bien, ils ont bien raison de venir en Lima Sierra Bravo sur les 40 normaux, parce que c'est très bien pour du local, et puis pourquoi pas un peu pour du DX, mais moi je suis partisan plutôt de ça. Voilà. Et en plus j'adore Lima Sierra Bravo. Il y a quelque chose dans le son qui change un petit peu. Il y a un peu plus. C'est peut-être dans ma tête, hein, ou ça vient peut-être de mes postes, mais je l'ai remarqué sur différentes TX et chez différentes personnes. En Lima Sierra Bravo, j'ai une préférence, je trouve qu'il y a un peu plus de présence, un peu plus de. Je sais pas comment dire. En tout cas, dans mes oreilles, ça passe mieux, c'est plus agréable. Voilà, c'est peut-être juste moi, hein, qui sent les choses comme ça. Mais de base, j'aime beaucoup aller sur Lima Sierra Bravo plutôt qu'en USB. C'est pareil, quand je fais des QSY depuis mon QRA à Libourne, qui est un propag ou pas, je demande souvent à aller Lima Sierra Bravo sur les 40 normaux. En plus de ça, je réside à 30-40 mètres de la voie ferrée, et en USB, chaque fois qu'un train approche, et même pas quand il passe, quand il approche, j'ai des QSY
QRN à 9 plus 60 dB où je n'entends personne, même Coyote, le fameux Coyote qui est à côté et qu'on entend relativement bien à peu près partout, quand le train passe, ça le couvre totalement pour te donner une idée de la perturbation. Et quand je passe en Lima Sierra Bravo, ça disparaît. Je n'entends plus ces perturbations. Du coup, c'est pratique pour moi. Ah ouais ? Comme quoi, là aussi, il y a un mystère dans la radio. Hein. Eh bien, ouais, je suis étonné, quoi. Ouais, en tout cas, ouais, parce que là, j'ai réussi à me foutre le doute, en plus. Donc, c'est à vérifier pour le canal 20. Oui, je crois, hein, c'est ça, hein, c'est bien Lima, Sierra Bravo, hein, j'ai pas dit de conneries. Eh bien, alors, sur la publication là, qu'ils ont mis, ils ont marqué en uniforme Sierra Bravo, USB classique. Après, c'est possible qu'au cours de soirée, ça bascule en Lima, Sierra Bravo, s'ils ont l'habitude du LSB. Bah écoute, je ne sais pas. En tout cas, sur la publication, c'était bien marqué USB. Mais c'est peut-être un titre exceptionnel, je ne sais pas du tout. Et puis pour l'histoire donc, des QRN dont je parlais à l'instant, à mon avis, c'est... je pense que... Comment j'explique ça simplement? Et en plus, ça ne résonne pas que sur une fréquence en USB. Le train, là, quand il passe, ça résonne aussi en harmonique. Voilà, ça résonne sur différentes fréquences avec un décalage régulier. Je sais pas expliquer ça simplement, mais enfin voilà. Et à mon avis, quand je passe en Lima Sierra Bravo, je passe juste pile poil à côté à chaque fois de ces fréquences perturbées. C'est peut-être juste un coup de chance. Je sais pas si c'est la même chose chez les autres. Bon après, visiblement, Thierry Liban n'est pas perturbé par ces trains qui passent. Ils sont aussi rabravés. C'est pas évident, mais voilà. Effectivement, je suis sur le groupe, je me suis planté, c'est uniforme Sierra Bravo. Donc le canal 20, c'est en uniforme Sierra Bravo, et le canal 35, c'est en Lima Sierra Bravo. Voilà, c'est... voilà, donc j'ai bien fait de vérifier, effectivement, c'est en uniforme Sierra Bravo. D'accord, ok. Bon ben, je surveillerai du coup le Lima Sierra Bravo, le 30. 35. Attends, tu as dit 30 ou 35? Le 35. J'ai mis une petite vidéo là dernièrement sur le groupe, là, à l'arrache comme ça, là via le téléphone, où on les entend justement. Non, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je crois que c'est une vidéo YouTube que j'ai partagée. Où, ouais, c'est ça, c'est une vidéo YouTube que j'ai partagée où ils sont justement sur le canal 35. D'accord. Bah écoute, je te remercie pour la petite info. C'est toujours bon à savoir. Je surveillerai autant que possible là le 20 et le 35. Si je pouvais participer à un petit QSO un peu foufou, là, ça serait super sympa là. Ok pour tout ça. Bon, mais quelle heure est-ce? Je veux pas l'heure. Je vais faire engueuler moi. 18h50. Ok. Bon, bah écoute, il me reste encore 10 minutes. À 19h, il faudra que je passe QRT, le temps de démonter tout mon barda, puis de rentrer gentiment à la maison. Je voulais parler d'autre chose. Et voilà, comme d'habitude, ça m'a échappé. Oh, je sais pas, je t'en prends le micro. Garde ça au chaud pour le prochain coup. Ah si, ouais, donc ouais, je me suis planté, c'est bien le canal 20, c'est en uniforme Sierra Bravo, le 35, c'est en Lima Sierra Bravo. D'ailleurs, faudra que je vérifie sur le forum, mais je me demande si le 35, c'est pas en même temps leur fréquence d'appel Lima Sierra Bravo local. Alors attends, pendant que j'ai le micro à la main, je vais aller voir ça vite fait là. Attends, parce que là j'étais en plein travaux en plus, enfin plein travaux entre guillemets sur le PC. J'étais en train de me faire les programmations et tout ça pour gagner du temps sur les groupes. Alors, que voilà, la CB en général, donc voilà. Alors, code CB, non, c'est pas ça, t'as une fréquence, ça fait les canaux fréquences d'appel.
Voilà. Alors là, qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce que j'ai mis? Alors 35, 27, 355 en Lima Sierra Bravo. Alors qu'est-ce que j'ai mis? Ah non, c'est le. Attends, qu'est-ce que je vois là? Ah, on m'a parlé du 38. Alors, toi, au Québec, on m'a parlé du canal 38, donc 27 385 en Lima Sierra Bravo, donc aux USA, Canada et Québec. Le canal 39, alors 27 395, là on n'a pas dit le mode, aux USA et Canada. Bon, le canal 31 FM, ok. Canal d'appel nord de l'Europe et plus sur la Gironde. Il y a le 16, 2755, là on ne me l'a pas trop dit. Alors ça c'était avant. Autrefois le Québec utilisait le canal 16. Et ils ont basculé sur le 38 en Lima Sierra Bravo. Donc ouais, c'est bien ça, c'est bien confirmé. Il y a dans les années 70, tiens par exemple, il y a eu le 4, le 27005, qui était dans les années 70 la fréquence d'appel SSB. Voilà. Et en deux fois inférieure sur le 19, 26285. En USB, c'est aussi une fréquence d'appel. Mais je crois qu'elle est pas mal abandonnée, celle-là. À vérifier. Par contre, là, ça veut dire qu'il faut réaccorder les antennes, parce que la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, certains ont réglé leurs antennes, surtout pour les SUP, d'autres pour les 40 canaux normaux et SUP. Alors, je te dis pas le taux en inférieur. Hachi, surtout là, en deux fois inférieur. À moins d'avoir une antenne large bande un peu, moi j'avais réussi je sais pas pourquoi je parle comme ça au passé, mais sur ma Scoopizou, là j'ai réussi à obtenir une bande passante de presque 2 mégas, du coup je suis tranquille, et en plus fréquence centrale là, de ma bande passante, c'est 27 325, je l'ai pas choisi pour rien, avis à tous les kilomikes. Et du coup je peux y aller, ouais, à peu près sans trop de soucis. Juste sur les SUP, deux fois SUP, peut-être mettre un petit chouïa de boîte d'accord, mais bon, c'est pas là où je vais souvent. Là j'y suis un peu par la force des choses, hein. On est 870, mais j'y suis que parce que j'utilise une antenne qui à la base résonne sur 10 mètres, donc je peux descendre un petit peu sur le haut du 11 mètres, mais c'est exceptionnel, hein. Sinon moi je traîne pas trop par ici, ou alors, ouais c'est rare hein, quand même, bon c'est rare. En bas, on risque pas de perturber qui que ce soit sur la bande radioamateur du 10 mètres là. C'est peu probable en tout cas, alors que quand on monte haut ici, il suffit qu'on a un ampli un peu dégueulasse et que ça bave à côté, il y a plus de chances de déranger, si tu vois ce que je veux dire. Donc déjà, par principe, j'aime pas trop. Je dépasse rarement 900. Alors je salue, il y a quelques connaissances que tu connais aussi qui sont dans ton secteur, qui sont sur 955, mais j'y reste jamais très longtemps, j'aime pas trop, voilà. Ah mais de toute façon, moi c'est pas compliqué, je ne vais jamais moduler au-dessus du 27-900. Voilà, je pars du principe que non, je me garde 100 kilos pour ne pas de marge, justement pour ne pas déranger, quoi. Par contre, je suis en train de regarder l'heure, 7h05. Là, il va falloir que je me refoute au travail. donc, je vais te laisser. Les bonnes 13-51 à toi. Pour ton test, il n'y a pas de souci. Hein, c'est du 57, hein, jusque là encore maintenant. Ça tient bien, ça marche bien, c'est vraiment stable. Pour la propague aujourd'hui, c'était assez moyen, mais il y a quand même eu le Brésil hein, qui est passé. Hein. Donc, c'était surtout orienté Brésil, Italie, j'ai un peu entendu Espagne, Portugal. Et voilà. Ah oui, j'ai aussi entendu la Hollande, l'Allemagne, la Belgique.
quelques départements français comme le 57, oui c'est ça, oui, la Moselle, oui c'est ça. Tout ça, c'est déjà là, dans la vidéo là, qui est plus en arrière. Il y a déjà tout ça dedans. Quoi. Donc oui, et là, il faut que je te laisse. Les 73-51, merci pour ce QSO et à la prochaine sur les ondes. Ok, pas de problème, moi c'est pareil. Là, il est temps que je démonte l'installation. Merci pour les petites infos, merci pour le report et puis surtout merci pour le QSO sympathique. Voilà, bonne soirée, bon courage pour le pro, 73-51, puis au plaisir. Ah ben là c'est plus le pro sur le PC là pour le forum, pour les groupes, pour tout ça quoi. C'est là c'est plus là, plus ça, plus là, là le travail de la vidéo là ce que je vais rajouter en plus là qui va faire plus. Ah si. Putain, la vidéo là, je crois qu'elle va faire je dois pas être loin de 2 heures. Oh oui, je pense que ça doit taper à peu près dans les 2 heures de vidéo. Quelque chose comme ça, dans ces environs-là. Hachi, allez, je te laisse. Merci pour le QSO, à plus. Ah oui, ok. Non, mais c'est encore plus important que le pro, ça. Ouais, et puis en plus, là, tu fais dans du long métrage, donc ça rigole pas. Hein. Tu vas bientôt détrôner les grands chefs-d'œuvre du cinéma. Fais gaffe, hein. Allez, bonne soirée. 73 à plus de 14 km, 3308, Nicolas, bye bye. Ok, en plus sur le début de vidéo tu vas te régaler. C'est. J'en dis pas plus. Allez, 73, merci, bye bye, bonne soirée. Ah et là, il est 19h. Voilà, donc pour le Québec, je sais pas comment ils parlent là-bas au Québec. Est-ce qu'ils disent 7h PM ou 19h? Bon, peu importe. C'est pareil. Bonne soirée à tous. 73.